Salut à tous, aujourd'hui je vous ai composé une petite falsetta pour rumba, pour jouer sur une cadence andalouse, espagnolade, la mineur, sol, fa, mi, et je vous donne la tablature avec. Alors si vous avez un peu de mal à décrypter cette tablature, à réaliser cette mélodie, je vais vous donner un petit conseil, une petite astuce pour travailler cette mélodie. Regardez, on va d'abord utiliser les 5 premières notes sur chaque accord. Corde de La, corde de Ré, corde de Sol, corde de Si, et on appuie à la première case sur la corde de Si. La corde de Si, elle va d'abord sonner à vide et ensuite on va la plaquer avec l'index. Vous voyez? Le principe, c'est au lieu de créer le La mineur directement, ce qu'on va faire, c'est de positionner les doigts comme ceci. On enlève l'index. On descend corde de La, corde de Ré, corde de Sol, corde de Si. Et on plaque l'index et on refait sonner la corde de Si. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premières notes de la mélodie. Voilà, c'est pas compliqué. Par la suite, on va se retrouver dans le positionnement de Sol. Et là, ça va être encore plus simple parce qu'on va descendre les 5 cordes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ? Mi, La, Ré, Sol, Si. Les deux enchaînés, ça représente ceci. Tout simplement. Alors pour la suite, on va imaginer un Fa, un barré ouvert, en enlevant le majeur. Ce qui va donner ceci. Voilà. C'est-à-dire le même principe qu'avec l'accord du La mineur. On va faire Mi grave, La, Ré, Sol et on appuie. Voilà. Et ensuite, on plaque le Mi. Et là, ça va être le plus facile. On va simplement descendre les 5 premières cordes. Je récapitule.
essayer de le faire au tempo maintenant. Le but maintenant, c'est de mettre un tempo à 80 BPM, 80 battements par minute. 3, 4 et... Déjà, pour arriver à jouer la mélodie que je vous ai présentée, en fait, il faut pouvoir réaliser ceci. 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et... Cinq notes à chaque fois. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va faire sonner 5 notes et faire retentir un tac du métronome. 3, 4. Tac. Tac. Vous l'entendez ? Comme ça. Moi, pendant ce temps, je m'en vais, je vais boire le thé, je reviens dans 5 minutes, je coupe la caméra, vous l'aurez pas vu. L'exercice. Exercice à 5 notes. Ensuite, quand vous arrivez à placer les 5 notes à chaque début de phrase, eh bien vous enchaînez ce qui est écrit sur la petite tablature en dessous là. Regardez. Exercice à 5 notes.
Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez bien profiter de cette tablature, de cette mélodie, de cet exercice de votre guitare. Et je vous dis à très bientôt. Et viva la musica!